Sortez vite alors, très rapidement. J'ai dit, aïe, Yahweh, sortez, maman. C'est dimanche, on allume la télé. On allume la télé. On allume la télé, c'est dimanche. J'ai dit, bipez-moi, Flavienne. Bipez-moi, Lyrus. Je dis que, bipez-moi, Flavienne. Bipez-moi, Lyrus. Sortez-oh! Je dis, sortez-oh! Aïe, maman, je termine avec ça. Je termine avec le dossier là. Comme Flavienne m'a provoqué, comme elle m'a cherché, je termine avec le dossier là. Comme elle m'a cherché, comme c'est elle qui m'a provoqué, je termine avec le dossier là tout de suite. Tout de suite. Il fait chaud un peu. Il était dit, le soleil ici. Coucou Vladimir. Mets d'abord la perruque. J'ai dit, sortez d'abord. L'heure est grave. Flavien me fait les messages pour me menacer. Viens ici. Ce n'est pas de ma faute si tu as perdu le procès contre le père. Ce n'est pas de ma faute si tu as perdu le procès contre le père. Maintenant, tu es parti niorcer quelque part là-bas pour qu'on traîne. Je dis que je vais terminer avec toi aujourd'hui. Ceux qui vont bouffer la tontine indirectement là, pardon, excusez-moi. Ceux qui vont bouffer la tontine indirectement, parce qu'en lançant les balles, certaines vont bouffer la tontine. Donc, ça ne sera pas de ma faute. Flavien, ce n'est pas moi. C'est même pas moi qui me suis levé. Je ne me suis pas levé de chez moi pour aller te donner le régime de plantain, mamie. Je ne me suis pas levé de chez moi pour partir te donner le régime de plantain. Vos menaces que vous aimez faire aux gens là, juste ça, c'est arrivé sur moi. Vos petites menaces que vous aimez faire aux enfants des gens là, que un peu vous menacer, un peu vous menacer. Parce qu'on dit que oh, le côté spirituel, il faut ne m'essayer même pas. Ne me sais, bonjour, quand vous rentrez dans le live d'abord, tout d'abord pour commencer, quand vous rentrez dans le live, je vous ai dit que vous laissez un like sur le direct et vous laissez un commentaire. Vous laissez un live. Tu es là depuis que tu n'es plus avec le père. Depuis qu'entre toi et le père, ça ne marche plus. C'est devenu le problème de tout le monde. Fais ta petite bordellerie tranquillement, comme tout le monde, comme nous autres. Tu fais ta petite bordellerie tranquillement, tranquille. Ce n'est pas le problème de l'État. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. C'est juste que quand tes dossiers viennent se retrouver sur la table, on fait, nous, on en chérie. Tant que tu fais, ça ne vient pas sur la table. Pour ceux dont on n'est pas allé par là, c'est parce que ça ne vient pas nous trouver. Ta paix est venue nous trouver ici, là. Donc, on doit en chérie. Hey, aïe, Yahweh, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Maintenant, les affaires de menace sortent d'où? Elle est partie. Vous savez qu'elle était partie. Elle est le père, il y avait une histoire de plainte entre Park et Pomme et elle. Elle discutait avec Park et Pomme au tribunal. Park et Pomme, maintenant, l'affaire là est sortie que. La connexion est lente. Est-ce que vous m'écoutez même? Si vous m'écoutez, signalez que vous m'écoutez. Signalez-moi un peu. Si vous m'écoutez, signalez-moi. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, elle discute avec le père. Ils ont discuté parce qu'ils sont partis au parquet avec Park et Pomme. Et là-bas, ça a un tchouan. Ce n'est pas ma faute si tu fais... Si, voilà, ce n'est pas ma faute. Tu as voulu que je te déchiffre. Avant d'arriver sur l'Iris Motassi, je vais d'abord te déchiffrer. Voilà, je vais te sortir du sac. Attends, je vais te sortir du sac. Je vais te sortir du sac, Flavienne. Partagez un peu le direct ici. Je dis que partagez un peu le direct ici. Pour toi, il n'est pas besoin de la perruque de la vérité. Pour toi, non, je n'ai pas besoin de la perruque de la vérité. Je suis moi tranquille.
On me centralise déjà les menaces que tu m'as envoyées là-bas. Pourquoi vous n'aimez pas la paix comme ça? Hein? C'est vous qui venez sur les réseaux sociaux, vous vous donnez un petit genre, une petite terre de moralisatrice là. Petite terre de femmes qui veulent conseiller les enfants des gens. Et pourtant, vous faites pire même là. Et on n'en parle pas. Si on n'en parle pas, c'est parce qu'aussi on s'est dit que bah, ce n'est pas venu sur la toile, ce n'est pas notre ligne éditoriale. On va parler des choses, voilà. Que bah, oui, c'est, du coup, ce n'est pas venu sur la toile. C'est ça les choses qu'on nous renchérit, inbox et tout et tout. Mais c'est ton propre voisin de ton quartier. C'est ton propre voisin de ton quartier. C'est ton voisin qui a appelé. Je ne vais pas donner le nom parce qu'on ne cite pas les contemporains quand il s'agit du Japap. C'est ton propre voisin qui a appelé pour dire que tu es en jam dans ton quartier. Et que c'était pour un homme marié. Tu as bagarré avec sa femme à cause du... Et c'est ton frère qui sort de la maison. On explique bien la scène qui porte le régime de plantain. Maintenant, tu en veux à toute la nation, maman. C'est le problème de l'État. On fait quoi alors? Donc, on se coupe les reins à cause de Flavienne. Hein? On doit se retirer un rein à cause de Flavienne. C'est dimanche, les gens sont dans les tarots, les gens sont en train de venir tout et tout et tout. Je dois être là parce qu'il doit répondre. Incroyable. Mais tu es une grande soeur que moi je respectais. Et c'est pas parce que je te respecte que si quelque chose vient se retrouver, mon frère, c'est ma page, c'est ma ligne éditoriale. Je dis ce que je veux. Quand tu as perdu le procès contre Park et Pomme là-bas, tu crois qu'on n'a pas la logique? Je connais tout ce qui s'est passé là-bas. Je connais tout ce qui s'est passé. Tu as perdu le procès. Tu es allé voir, parce que vous aimez le trafic d'influence. Tu es allé voir, il s'appelle comment là? Je ne vais pas citer le nom. Il y a un monsieur là qui est haut placé. Tu es allé voir là-bas parce que tu devais, comme tu as perdu le procès, tu devais verser l'argent. Donc tu devais, on appelle ça les quoi, les... Tu devais... Vous savez que je suis un peu fatigué. Indonésie. Non. Il y a le mot là. Mettez un peu le mot là. Elle devait... Blanche de mieux. Donc, il y a un argent qu'elle devait verser. Il y a un argent là. Quand tu perds le procès là, tu dois verser l'argent là. Il y a l'argent là qu'elle devait verser au père. Elle devait verser l'argent au père. Voilà, dédommager, le dédommagement. Elle devait dédommager le père. Elle n'a pas, jusqu'à là, le procès est en train de tourner là-bas et tout, parce qu'elle est partie, elle a encore fait, elle est partie, où elle a donné celle-là cette fois-ci, où? C'est en train de tourner là-bas. Voilà, voilà les indemnités, et voilà, indemnisation, voilà, c'est ça le mot. Elle doit donner l'argent au père. Il a gagné le procès. Depuis que son mariage aussi, depuis que le père était quitté dans le... On dit souvent qu'elle, maman, hey, il y a les hommes que quand tu quittes, c'est fini. Laisse. Laisse. Quand ça ne donne plus. Laisse. Petite bordellerie un peu partout. Les sales petites bordelleries là. Avant même, tu étais même classe. Les sales petites bordelleries à côté là, Flavienne. Pas, combien on attrape. Tu veux nier quoi sur les réseaux sociaux? C'est ton propre voisin. Partagez-moi un peu le direct ici. C'est ton propre voisin qui donne le fax, qui met le fax dehors. Il appelle et il dit que c'est grave. Tel quartier, tel. Il donne ton nom. Et quand on a mis le socodio, les gens qui vivaient à côté de toi là. Les gens qui vivaient à côté de toi là, ils ont témoigné. Quand on a mis le scoop, on a mis ça dehors, les gens ont témoigné. Tu veux toujours t'entêter à nier. Oh, si tu restes tranquille, on va parler, c'est game, c'est Facebook. On va passer ni vu ni connu. Mais vous voulez toujours vous donner un petit genre de quoi? D'influenceuse, voilà, machin, truc. On parlait de Flavienne. L'ancien goût de notre Lopé. Maman, Lopé, elle était sucrée. Hein? Lopé, elle faisait beaucoup de choses pour toi. Hein? Lopé, là, c'était ton miel. Hein? Hey, Lopé, là, c'était... Aïe, ah, ouais! Parce que depuis qu'il est parti, là, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Depuis que Pâques pour me sortir de ta vie, là, moi, je ne comprends pas. C'est comment et... C'est comme si tu as seulement fait ce qu'on appelle la descente aux enfers. Je ne comprends pas. Tous les problèmes du monde. Maintenant, tu cherches chez qui tu vas venir te réfugier, là. Tu cherches chez qui tu vas venir te réfugier. Le nom des gens dans ta bouche. On parle comme ça, le nom des gens dans ta bouche. Blanche Asana, tu as parlé. Les petits Kongosa, je suis venu me trouver. Même pas qu'il y a certains Kongosa que j'étais là même. Hmm? C'est toi qui te plains aujourd'hui qu'on parle. C'est toi qui te plais. Et il ne veut pas que par ta faute, je sors ce qui s'était passé sur le plateau de la Reine Blanche. Parce que si je sors ça, le faux que son coco vous avez fait là, la mamie de Congrès. C'est la mamie de quoi là. Si je sors ça. Si je sors ça. Ce qui s'était passé sur le plateau. Parce que c'est un Kongosa que tu as fait. Je suis obligé de dire que tu as fait tel Kongosa sur la personne. Et ça va faire boum entre vous là-bas. Ça va faire boum entre vous. Parce que ça, c'est ce que toi, tu as dit de ta propre bouche. Ça, c'est ce que tu as dit de ta propre bouche. Plus saboteuse que toi, il n'y a pas. Tu aimes le Kongosa? Tu aimes le Kongosa? Nous tous, on aime le Kongosa. On assume même le fait d'aimer le Kongosa. Mais toi, tu aimes le Kongosa et tu n'assumes pas. Toi, tu fais le Kongosa, tu n'assumes pas, Fabienne. Tu n'assumes pas. Tu n'assumes pas. Tu n'assumes pas. Elle aime trop le Kongosa. Elle aime trop le Kongosa, cette femme. Elle n'assume pas. On dit souvent que... Le malade ne voit jamais, le docteur ne voit jamais sa propre maladie. C'est vrai. Le docteur ne voit jamais sa propre maladie. Tu viens me parler là, qui. Non. Quand on parle un peu de toi, tu veux menacer, tu veux faire ceci là, tu veux parler, et tu veux te donner un petit terre, un petit genre de renchérisseuse. Ah, Yahweh, à qui? À qui? Dis aux gens qui ne vous ont pas côtoyé, aux gens qui ne vous connaissent, qui vous voient seulement sur le vos fans là. Une fan bête là. Parce que je vois d'autres fans qui viennent me menacer. Hein? Ne parlez pas de Flavienne. Ne... Qui? Mouf! Le cul! Le cul! Mouf! Je parle. Je parle pas pourquoi. On ne parle pas pourquoi. Maman, il a dit qu'il y a un chocolat. Ouah! Attendez, je vous explique. Maman, j'ai appris qu'on a délogé. J'ai appris que l'Iris Potassi... Que l'Iris Potassi est arrivé en France. Il a été... J'ai dit que quand on a chassé l'Iris Potassi de la maison, il a pris une maison là. Il s'est bagarré avec un Kwanenge. On l'a mis dans la maison. Même pas deux jours en Europe. Oh! Attendez, je vous explique. C'est moi qui devais aller chercher l'Iris Potassi à l'aéroport quand il devait arriver ici. Quand je venais d'arriver en Beng, je n'étais pas encore à Paris, parce que maintenant je suis à Paris. Je n'étais pas encore à Paris. Je suis à Paris installé. J'étais à Paris, mais ce n'était pas encore mon domicile final. J'étais dans le 95 de l'autre côté, à Persan Beaumont. Je vous explique l'histoire. Donc, du coup, quand je discutais avec les Lirus et tout, je disais que je suis à Paris, je suis à Persan. Bon, après, moi, on m'a donné un domicile. J'étais dans une autre ville. La ville que j'avais l'habitude de faire mes directs là-bas. Quand j'étais dans cette ville-là, donc, tout récemment, avant que je suis venu maintenant m'installer, mais je suis venu sur Paris, l'Iris m'appelle. Il me dit que il est en train de venir et tout. Moi, je connaissais déjà, il me mettait au courant de ses procédures jusqu'on priait, on croisait les mains, qu'il devait avoir le visa. Maman! On croisait les mains que non, le gars devait avoir le visa, tout. Maman, quand le visa sort, il me dit que oui, le visa est sorti. Vous connaissez les Kwanenge. Il te dit que je te dis à toi, ne dis à personne. Je n'ai que dit à toi.
Je te dis à toi, je n'ai dit à personne, je n'ai que dit à toi. Je te dis à toi, je n'ai dit à personne, je n'ai que dit à toi. Maman, un peu, j'avais dit à l'Ofax que l'Irus Potassi est en train de venir en Beng. Moi, il dit que maman, chacun porte sa croix. S'il a dit, il a dit, il a dit. De toute façon, ceux chez qui ça va sortir de leur bouche là, chez moi, ça ne va pas sortir de ma bouche. Je suis resté tranquille. Après, il me dit qu'il y a que deux personnes qui vont venir le chercher à l'aéroport. Puis il me dit que Paul Cam, s'il te plaît, ne me déçois pas. L'Irus Motassi me dit que Paul Cam, s'il te plaît, ne me déçois pas. Tu es la seule personne qui va venir me chercher à l'aéroport. Les Kwanenge. Maman. Je dis que. Il me dit que tu es le seul qui va venir me chercher à l'aéroport. Je dis que, ok, il n'y a pas de problème. Je vais venir te chercher. Je prends le billet. Vous savez, de Charlon pour. De là où de la ville où j'étais pour Paris. Parce qu'il devait atterrir à l'aéroport Croissy Charles de Gaulle. Il devait venir un vendredi. Il devait quitter un vendredi pour arriver. Je crois que je devais passer le récupérer samedi matin. On avait déjà fait les plans. On avait à tout fait jusqu'à comment il avait posté on m'a posté la vidéo ensemble et tout et tout. Je devais venir le chercher avec les fleurs. Tout. Mercredi. Je vous explique l'histoire. Mercredi, l'Irus Motassi m'écrit, me dit que. Parce que on se pose au téléphone, je lui dis que maman, tout ça, c'est à cause de toi. J'ai pris un billet de train à 150 euros. Vous connaissez les billets TGV, pour ceux qui sont en Europe. Les TGV, ils coûtent cher. Je n'avais pas pris un Blablacar. J'ai commandé un TGV. J'ai pris un TGV, un train direct. Parce que les Blablacar, là, souvent, ça peut annuler. Donc, moi, je voulais être sûr. D'autant plus qu'il m'a dit que je suis le seul qui va venir le chercher à l'aéroport. Je me suis dit que, quand il a tout dépensé dans son voyage, il a investi pour avoir le visa, il a tout fait et tout et tout. Gars, tu vas pas abandonner quelqu'un à l'aéroport. Nous, on connaît comment c'est. Je vais partir chercher l'Irus Motassi. C'est ce que je dis. Partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, mercredi, donc, on cause comme ça. En soirée, il vient m'écrire, il me dit que, s'il te plaît, tu crois que je suis en live sur TikTok. Vous savez que deux jours, mon TikTok chauffe beaucoup. Je fais beaucoup de choses sur mon TikTok, pour comme officiel en passant. Il vient, il me dit, écoute, pourquoi tu manques comme ça? Il dit, non, comment de personnes tu prends le TGV? J'ai dit, non, là, je n'étais plus à Paris. Je vous ai dit que quand je venais d'arriver, je sais pourquoi je vous explique d'abord pourquoi j'étais à Persan. Quand je suis arrivé, j'étais à Persan, Beaumont, dans le 95. Après, on m'a affecté, on m'a changé de ville, de domiciliation. Quand je suis dans mes procédures, on m'a changé, on m'a envoyé à Chalon, à côté de Dijon, dans la Bourgogne. On m'envoie là-bas. Donc, c'est de là-bas maintenant que j'allais quitter pour venir chercher l'Irus Motassi à l'aéroport. Donc, j'ai pris un billet TGV de 150 euros. Et vous savez que pour ceux qui sont en Europe, vous savez que quand on réserve le billet 2, 3, 4 jours en avance, c'est trop tard, c'est cher. Si je réserve 2 semaines, 1 semaine en avance, c'est moins. Mais comme il m'a dit que j'étais le seul net entre lundi et tout, j'ai pris le TGV mercredi. Je lui dis que j'ai pris le billet à 150 euros. Voilà. Le soir, il vient m'écrire, je suis en live sur TikTok. Bonsoir à tous. Voilà, essayez de partager le direct et tout. Il me dit que... Oui, c'est souvent plus ici, ça ne joue pas. Ils ne comprennent pas ça. Je vais vous expliquer. J'ai pris le billet de TGV. Motassi m'a fait... Je n'ai plus utilisé le billet, maman. Motassi a fait... J'ai perdu le billet là, comme ça là. Je vous explique. La sorcellerie de Kwanenge. Tu restes ta part, viens. Je sais que les gens vont enregistrer le live, on va aller l'envoyer. Parce que moi, je l'ai bloqué partout. Partout sur TikTok. Partout. J'ai dit qu'on souhaite seulement que tout le monde réussisse dans sa vie ou que tout le monde soit heureux. C'est tout. Mais pardon, il y a les qualités de sorcellerie que quand ça ne va pas, maman, mais tu prends ton sac, tu prends tes clés, tu pars. Aïe, ouais. Tu pars. Je quitte maintenant. Je lui dis que voilà. Il me vient aussi, il me dit que par message. J'étais en live sur TikTok. Je voyais ces messages. Vous savez que quand tu es en live, tu reçois les messages. Même là, si quelqu'un m'envoie le message sur WhatsApp, je vais recevoir. Il commence à me dire, je sortais de temps en temps dans le live. Il commence à me dire, écoute, pourquoi tu manques comme ça? Vous aimez tout, vous êtes trop mytho. Tu me dis que tu as payé le billet de 150 euros. Je me suis renseigné. C'est quel billet que tu as payé à 150 euros? Oh, c'est monté, c'est dans ça. J'ai dit que même l'Irus Motassi, le TGV, le TGV est cher. Tu as demandé à quel Bengis? Ça dépend. J'ai payé 150 euros. Motassi, tu discutes quoi? Il veut discuter tout. Je l'envoie même la grille des prix actuels des billets. Je lui dis que ça, tu vois, c'est le prix de combien ici? C'était 130 euros comme ça là. Je dis que tu vois ça. C'est combien là? Et souvent, sur le TGV, ça dépend de la tranche d'âge pour qu'on te fasse la réduction. Il me dit que
bah non, je le prends pour un fou. N'est-ce pas, je l'avais dit que je suis sur Paris, comment je suis maintenant à Charlotte. J'ai dit, mais tu es malade là. Quand tu suis les procédures, ce n'est pas toi qui. Tu ne dépends pas de toi-même, tu dépends du gouvernement, de l'État. Ce n'est pas toi qui décides, c'est l'OPI, c'est eux qui décident de ta procédure. Tu suis, si on te dit qu'on t'envoie à Charlotte, tu pars à Charlotte. Quand on t'envoie à Toulouse, tu pars à Toulouse. Quand on t'envoie à Talon, tu pars à Talon. Quand tu arrives en Bengla, tu veux te mettre à jour, tu suis les procédures. Tu crois que quand j'arrive à Paris, je dors dehors? C'est ce que je lui dis, hein, par message. Quand tu crois que quand j'arrive à Paris, je dors dehors? Bien sûr que non, parce que j'ai une adresse à Paris. L'adresse à Paris, c'est l'adresse de quelqu'un. Je lui dis ça et tout et tout. Le mec, il commence à me raconter des conneries et tout et tout. Après, il me dit, j'ai vu son message. Il croyait que je n'avais pas vu. Partagez le direct. Il me dit, ne viens même plus me chercher et tout. J'ai vu le message, je n'ai rien dit. Il est resté, je ne sais pas si il a réalisé que ben, si le gars là ne vient pas me chercher, peut-être. Bon, à ce moment-là, je suis sûr que quand il est venu me faire le retour, au lieu d'écouter ceux qui sont. Maman, il arrive, au lieu de venir écouter, il me dit que je suis en bain, ça fait combien de temps? Même si je suis à 2 jours en bain, j'ai 2 jours qui te dépassent. J'ai 2 jours d'expérience qui te dépassent. Papa, j'ai 2 jours d'expérience qui te dépassent. Moi, je respecte les gens que je suis venu trouver. Même si quelqu'un est arrivé en... Il dit que mon téléphone a surchauffé. Mon téléphone a surchauffé et les gens se sont, sont descendus du live. Je vous explique. Ceux qui vont venir réécouter le live vont réécouter après. Je vous explique. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand le mec, quand je lui dis que, moi je sais, il me dit, si tu veux, tu viens pas me chercher, j'ai lu le message. Je n'ai pas répondu à ce message. Je pense qu'en ce moment-là, quand il est venu m'écrire ça, désolé, la connexion a dérangé. Quand il est venu m'écrire ça à cet instant-là, il avait peut-être quelqu'un qui était en train de dire que je vais venir te chercher et tout et tout. Mais il est resté, il a réalisé que, mais la personne aussi peut me dire. Il supprime les messages, j'avais déjà vu les messages. Je lui dis que, mais. Le lendemain, je lui ai dit que bah, de toute façon, ok, d'accord et tout. C'est resté comme ça. J'étais surpris qu'il est arrivé. Apparemment, il y a d'autres personnes qui sont. Apparemment, il y a des personnes qui sont, allées le chercher et tout et tout et tout. Et maintenant, il s'est installé. Donc, maintenant, ça a cuit. Maintenant, de l'autre côté là. Voilà que comme il s'est même installé là, ça a cuit. Apparemment, il ne connaît pas. Si j'avais été là, il a dit que, pardon, quand tu es chez toi comme ça là, là où tu as pris la maison, à Paris, on ne fait pas le bruit. Les maisons de Paris sont très petites. Les maisons de Paris sont très petites. Les maisons de Paris sont serrées. Les maisons de Paris, tu ne dois pas faire le bruit. C'est-à-dire qu'à Paris, on vit. Les appels bizarres, ta dans la nuit. Ce n'est pas comme dans les provinces, dans les campagnes où les maisons sont grandes. Tu parles, tu fais tes directs, tu fais ce que tu veux. Quand tu es blogueur, pour acheter à Paris, il faut que c'est toi que tu sois propriétaire de l'appartement. C'est toi qui as l'appartement principal avant de sous-louer ou de mettre les locataires à l'intérieur. Il faut, s'il y a les benguistes ici qui disent, voilà, même à Bruxelles, ici à Paris, ce n'est pas comme ça. À Paris, tu ne peux pas faire les directs. Si moi, je leur ai dit que n'amène pas les gens chez toi, à Paris, ce n'est pas comme ça. Surtout quand je fais la colocation, tu ne dois pas venir avec les gens n'importe comment dans la maison, tu vois les têtes. Surtout les personnes qui ont pris leur appartement. Parce que déjà, quand tu sous-loues à Paris, hein, pour trouver quelqu'un qui va accepter. Pour trouver quelqu'un qui va accepter à Paris. Hein? De te faire même un petit contrat, même sur la télévision, sur le club, le truc et tout, tu peux pas. Quand tu casses son appartement, tu viens sous-louer. Le jour où tu veux pas, tu pars. Il n'y a aucun papier. Il n'y a aucun papier. Attendez, je vais rentrer dans la voiture. Je vais plutôt partir par derrière. Parce que tout à l'heure, sur le téléphone qui a surchauffé. Parce que c'était accroché et il y avait le soleil. Donc, je vais monter par derrière. Je vais monter ici, c'est bon. Si c'est qu'il était, il avait été avec moi, je l'aurais bien expliqué. Il est venu avec l'esprit du pays. Il ne connaît pas que ici là, ce n'est pas le pays. Il est venu d'abord 2 jours là. Il dépense. Tu vois, c'est quand quelqu'un vient avec son petit argent, il ne connaît pas. Alors que ici là, quand tu viens avec l'intention de rester, parce que lui, il est venu avec l'intention. Quand tu viens avec l'intention de rester, il est venu avec l'intention de rester. Et quand tu viens avec l'intention de rester, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu ne dois pas t'agiter. Parce que Paris, c'est la tombée des géants. Tu ne dépenses pas. Parce que tu ne connais pas où tu vas prendre de l'argent. Ou le temps de t'installer. Tout là. Tu dois vivre en mode jonglage. Il est venu à Paris. Tu viens à Paris dépenser comme quelqu'un qui venait pour rentrer au pays. Comment? Parce que quelqu'un peut venir dire que okay, je viens faire mes vacances. Je m'amuse et je rentre au pays. Mais toi, tu viens à Paris. Tu viens comme quelqu'un qui a réussi sa vie. Mon frère, le voilà, il est en train de dépenser.
On l'a dit à midi, ça a commencé. Les réalités de Mbeng vont très très vite te rattraper, papa. Nous, on a la chance qu'on écoute on a la chance qu'on écoute les anciens. On n'a pas les têtes fermées. Donc, on prend la peine d'écouter, de savoir comment ça se passe. Tu viens à Paris, tu commences à dépenser. On va vous dire que j'ai ri fort. Tes copines qui t'amènent là, qui te font, tu vas manger l'argent là, ça va finir. Et il faut savoir que Mbeng là, ce n'est pas le Cameroun, maman. Ce n'est pas vos affaires de Cameroun que tu crois que tu étais le seul maquilleur, grand maquilleur. À Paris, tu trouves d'abord, il y a au moins 100 000 maquilleurs plus puissants que toi. Et en Europe, presque tout le monde connaît se maquiller ou apprend à se maquiller. Les filles regardent les tutos ici. Parce que quand quelqu'un voit que je vais déplacer le maquillage, je vais payer le taxi. Les taxis ici, le site Tigo, c'est pas le lait. 50 euros, c'est 32 500 pour une petite destination. Ça court. Ça court, mon taxi. Qui va te croire que c'est parce que quelqu'un m'a dit qu'il est invité le maquilleur combien de fois? Peut-être que pour les mariages, je ne peux pas avoir la chance. Mais il y a combien de maquilleurs plus rails que toi? Il y a combien de maquilleurs plus rails que toi? Ça sera très compliqué. Au Cameroun, tu t'en sortais très bien. Ok, je peux comprendre que par rapport à ton orientation sexuelle, par rapport à tout, parce que toi-même, tu as affirmé que tu es étrangère, ça veut dire qu'on peut en parler, bébé. D'accord? Tu es là, ok, par rapport à ton orientation, mais tu devrais te calmer. Parce qu'à Paris, là, tu ne crois pas qu'au départ, tu vas vivre que de ton art. Tu ne pourras pas vivre de ton art, qu'on te dise la vérité. J'ai dit bien qu'à Paris, tu ne pourras pas vivre de ton art, Lyrus Motassi. Qu'on te dise la vérité, ma puce. Tu ne pourras pas au début comme ça. Non, peut-être avec du temps, tu peux être chanceuse, oui. Mais au début, tu ne pourras pas vivre d'autres. En Europe, les filles d'abord apprennent à se maquiller. Peut-être que des formations, il y a un petit temps, tu vas avoir des petits jonglages, mais combien? 500 euros, 400 euros, la vie court. Hein? Et si tu veux vivre la qualité de vie que tu vas vivre là, tu ne peux pas t'en sortir, ma chérie. Tu ne peux pas t'en sortir. Déjà que tu n'as pas la famille, parce que si tu avais la famille, quand tu devais arriver, tu devais aller chez la famille. Tu n'as pas la famille. Tu as couru, tu arrives en Mbeng. À peine arrivé en Mbeng, tu cours déjà, tu vas te mettre dans les affaires de colocation. Mais on te dit qu'il y a même les gens ici là, les gens en Mbeng qui ont l'argent, mais qui vivent dans les logements sociaux. Ils ont l'argent, mais ils vivent dans les logements sociaux. Tu crois que ça, c'est facile? Moi, je suis ma petite, mais tu cours. J'ai dit, mais tu cours. Tu cours. Là, 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 tu peux prendre la maison, tu vas l'entendre à Midéo. Là, 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 tu t'agites. Là, 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 il faut que tu sortes. C'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça, ma petite. Quand tu arrives, parce que tu n'as même pas. Et sache, Léa, que quand tu dures, Léa, comme ça, tu as un temps de durée. Il faut pas perdre du temps avant d'aller demander. Peut-être tu as ton visa encore à jour. Mais sache que ce que les gens ne te disent pas, c'est qu'il y a une durée sur le territoire. Une durée de quelques mois ou quelques jours, quelques mois là. Passer le tout là, tu n'as plus le droit de demander l'asile. Tu vas se aller dans un autre pays. Comme tes empreintes, tu les as mis en France. Tu vas arriver dans un autre pays, tu seras en Dublin. C'est-à-dire qu'on t'a d'abord supprimé ici. Soit la France te réclame, soit c'est comme ça que tu commences à te bouleverser. C'est comme ça que tu commences. Donc, quand tu arrives, la première des choses, surtout que tu viens pour rester, même si ton passeport, même si... demande ton asile, parce que tu es d'abord homosexuel. Nous tous, on te connaît. Donc, demande-toi ton truc tranquillement. Tu suis ta procédure. Là où on va te loger. Et déjà, comme tu dis que tu ne peux pas vivre de ton maquillage, parce que tu dépenses tout ton argent, il faudrait qu'on te dise, ton logement ne dépend pas de toi. Ça dépend de l'office, ça dépend de l'opéra, ça dépend de où on va te... Tu peux rester quand tu es à Paris, tu as demandé à Paris, on va t'envoyer là-bas en province, quelque part là-bas à Nantes ou alors tu vas pas rester à Paris. Hein. Et maintenant, ce que les gens ne te disent pas aussi, c'est que si tu peux demander ton asile et que tu demandes comme quelqu'un qui a dit à la maison, tu ralentis tes procédures. Parce que tu n'es pas en priorité. On sent que bon, tu as une petite situation, tu n'es pas en priorité, donc tu ralentis tes procédures. Quand tu veux quelque chose, tu es calme. Tu es calme, tu es tranquille, tu demandes ton truc, tu suis tes procédures, tranquillement, tranquille, tu fais tes vidéos, tu fais tes tutos, tu fais tout, tu essaies de voir, de faire beaucoup tes matchs sur TikTok, tu gagnes ton argent, tu es en bénéfice, on pouvait te montrer comment faire pour récupérer ton petit argent sur PayPal, tu vis avec ça et tout, c'est compliqué. Hein? Et ça, je dirais que comme tu es en bénéfice, tu connais la famille que tu as laissée là-bas, petite maladie, on va t'appeler, il faut que tu gères, on ne va pas comprendre que tu viens d'arriver en bénéfice, ma chérie. On va pas comprendre que tu es en Mbeng. Moi, je suis ici là. Ça fait même pas comprendre. En deux jours, trois jours en Mbeng, ma tante m'appelait déjà que pour Cam. C'est comment? On a laissé nos. Tu laisses la famille pauvre. Tu laisses les choses. Tu es là. Tu es au front. Tu es dehors. Tu as la chance d'être homosexuel. Ça veut dire que tu es quelque part où c'est accepté, c'est toléré. On peut te donner les papiers facilement grâce à ta situation. Consent que toi, tu prends tes papiers. Papa, les choses qu'on te voit traîner. Tu nous vois, on traîne. On ne blague pas. Les rendez-vous, on ne manque pas. Tu dois suivre tes procédures. Ici, là, quand tu viens là, tu marches comme le blanc. Mais c'est lui qui te donne tes papiers. Et quand on ne te manque pas, même après les papiers, si tu es homosexuel, tu ne travailles pas. Parce que vous, tu vas pas te dire que tu es mes copains. Jamais. Il te faut les fiches de paye pour avoir la maison. Il te faut les fiches de paye pour avoir X ou Y. Même les gens que tu vois ici, là,
beaucoup de personnes que tu vois ici là, ils ont beaucoup d'argent, ils font beaucoup de business, mais ils sont obligés de partir travailler même si c'est 5 heures de temps. Parce qu'ils doivent justifier leur kaolo en bain. Tu dois justifier ton papier. Tu dois monter quand tu as de le papier. Ce n'est pas pour rien. Tu n'es pas venu pour blaguer, pour sauter. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce papier-là. Il y a des gens qui ont besoin de ce papier. Le blanc va te retirer le papier. Il n'y a pas que... Donc, tu as eu la chance aujourd'hui que tu puisses venir d'abord normalement par vol. Tu as la chance que tu es homosexuel. Tu es arrivé quelque part où, voilà, tu peux t'affirmer, tu peux être tranquille. Ma chérie, profite de tes gars. Tu n'es pas chacun. Chacun vous fait ses folies comme ça. Là. Il est arrivé. Il n'est pas arrivé. Il a eu le visa humanitaire. Donc, il a déjà une situation quand il arrive sur le territoire. Tu n'as encore que ton petit truc de voyage là. Tranquille, attention. Qu'on ne te trompe pas. Et je voulais même te dire aussi que vos affaires que vous arrivez, vous commencez à voler les trains. Attention, tu n'as pas de situation, tu n'as pas d'asile. Tu peux rentrer au pays, ma chérie. Et tu as déjà commencé à faire ton coming out. Donc, il faut faire très attention. Très attention. Parce que depuis moi, c'est les conseils. Moi, j'aurais pu te voir et tout. Parce que vous avez toujours l'impression que quand quelqu'un arrive, ça fait peu de temps. Ça fait la personne ne connaît pas. Oh, nous, on écoute. On écoute. Ben, que tu vois là, c'est la résistance. Ce n'est pas la course, maman. Ce n'est pas le premier arrivé en ben qui fait un ben. Comme tu es arrivé là, il y a au moins 1 million qui sont arrivés derrière toi. Il y aura 1 million qui vont arriver l'année prochaine. Il y aura. Calme-toi. La vie ne finit pas. On a tout. La vie ne finit pas. Et qui? C'est l'homme qui travaille l'argent. Hein. Ce n'est pas l'argent qui travaille l'homme. C'est toi qui cherches. Ça ne finit pas, ma petite. Ça ne finit pas. Te voilà, tu es dans les situations qu'on t'a mis dehors. On t'a. Et en plus de ça, tu es personnage public. Il y a les choses qu'il faut éviter. Moi, j'étais moi surpris. Quand j'étais vu à l'aéroport, on est venu te chercher. Moi, j'étais bloqué partout. J'étais bloqué partout. Parce que tu m'as dit que maman, la quantité de choses ici là que tu fais liées à la société, que maman, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est comme ça que pour ta réservation d'hôtel, tu m'appelles, tu me dis que va faire ma réservation et tout et tout. Je me lève qu'il m'avait fait la réservation. Tu m'appelles encore, tu me dis que j'avais appris que tel soit quoi. Il fait que c'est dit que mais, quand tu te fâches contre moi à cause d'une histoire de Sandra Nelly qui ne te concernait pas. Parce que tu avais déjà trouvé quelqu'un qui allait faire ta réservation d'hôtel. Tu trouves même quelqu'un comme moi en Beng. En Beng, les gens ne se déplacent pas pour les choses des gens. Hein. Qu'on ne vous mente pas, on ne se déplace pas, où ça veut le pourcentage. Tu me trouves, quand tu trouves quelqu'un qui va prendre. Peut-être vous croyez que les transports sont faciles, prendre les trains, 1 ou 2 heures de temps pour tourner là, vous croyez que c'est facile. Ce n'est pas facile, hein. Maman, ce n'est pas facile. Encore les taxis. Donc moi, tu me déplaces, quand tu me dis que laisse, ouais, c'est monter, c'est danger, tu me fais les caprices, tu vas venir me chercher, prendre les billets de train. Tu crois que ça rigole? Ça rigole pas, hein. Laisse-moi te dire que c'est au Cameroun qu'on se dit souvent que si que ta personne est en Belgique, vous pouvez vous voir. Sache que tu peux être ici, là, à Paris. Ta personne est à Nantes. Vous ne vous voyez presque jamais. Vous ne vous voyez même 10 ans après. Parce que chaque ville a sa vie, a son système. Et les occupations font qu'on n'a pas le temps. Quelqu'un va voir Québec gaspiller mon week-end ou mes 2 jours où je peux faire quelque chose, ou travailler mon 2e boulot pour voyager, pour aller venir, pour venir te voir. Où? Ça ne se fait pas où? C'est dur. Il faut vraiment que vous soyez comme ça. C'est le cas dur. C'est le cas du jour. Que tes nouvelles copines ou les gens qui t'entourent ne t'embrouillent pas, ne te gardent pas. Ma petite, et c'est que le direct là, on va t'embrouiller, ne te gardent pas. Peut-être que tu vas voir mon direct, tu vas dire que oh, c'est là, dans les conseils, oh, te moquer et tout. Mamie, tamise ce que tu peux tamiser, tu prends. Tamise. Tu es en train de vivre la vie. Le petit argent que tu es venu du Cameroun, tu t'en sors au Cameroun, parce que tu étais maquillé, tu avais ta voiture et tout, tu étais tranquille. Et tu es arrivé là. Si tu es arrivé là au moins parce que ok, tu veux te sentir femme. Parce que moi, je sais que toi, tu es venu en Beng là. Toi et moi, c'est au fond de toi. Tu es venu en Beng pas parce que ton orientation avait fait que. Parce que toi, tu n'es pas comme nous, les gens qu'on a reçus. Toi, tu n'as quel problème. Tu es venu en Beng parce que tu as vu Chakur est parti. Après, tu entends que moi, je suis en Beng. Après, tu entends que Nabil, tout ça là, c'est parce que le cœur a commencé à faire mal. Ou il faut que tu viennes aussi. Les autres sont venus. Ok, c'est pas mon fait. Tu es là. Mais. Tiens-toi ce chaos. Ce même Nabil là, il est quelque part à Toulouse où on l'a envoyé là-bas, loin, mais il est là-bas, il sait le cœur. Il se calme aussi. Il cherche ses papiers. Parce que la finalité en Belgique, c'est le papier. Si j'ai mes papiers, toi tu as 25 000 euros dans ton compte bancaire, je te dépasse. Les papiers, c'est la sécurité. Cherche tes papiers, concentre-toi. Laisse la petite vie là, la vie ne fuit pas. Ça ne fuit pas. Nous, on va mourir, on va laisser. On a trouvé. Ça ne fuit pas, ma petite. Ça, c'est ce que je voulais te dire. Parce que j'étais bloqué partout. Mais j'ai entendu tes histoires. On vient me raconter comment on t'a délogé. Comment tu as discuté avec tel. Honnêtement, ça ne me sert pas. Mais moi, je suis en train de dire que, bon, honnêtement, je ne peux pas te voir comme ça. Tu ne fais même pas de direct. Il faut que je te parle.
Et moi, c'est le seul moyen. Ben, il ne peut pas m'appeler au téléphone. Non, il ne peut pas m'appeler. Tu m'as fait perdre l'argent de mon billet. Parce que moi, je suis tout que papa gentil. C'est comme ça que j'ai fait Anne-Marie là-bas. C'est venu. Quand elle vous, on veut tout aider quelqu'un, ça vient tout comme ça. Ça vient. Moi, j'ai vu que non, tu es une personne LGBT, comme moi, tout ça. Je me suis dit que, bah, ok, je vais te soutenir. Je vais voir comment je peux t'aider. Comment si je peux venir. Tu m'as dit que tu es la, je suis la seule personne. Je dis que, ouais, avec toute la souffrance du pays, dans la, quand tu es homosexuel et tout. Mais mamie, attention. Attention. Toi-même, tu sais où tu as mis ton pied. Et il faut savoir qu'en Bengla, c'est les box polo. Les gens sont les box polo en Bengla. On ne manque pas d'avoir la voix dans sa maison à n'importe qui. Peut-être qu'on ne t'explique pas. Comme tu as mis avec tel Kwanenge, il sort de la Belgique, qui vient dormir chez toi. Tu as mis avec tel gars qui vient en Allemagne, il vient dormir chez toi. Quelqu'un va mettre la drogue chez toi. On va mettre quelque chose chez toi là-bas. On va te créer les problèmes. Tu ne vas même pas savoir comment. Les gens sont méchants en Bengla. Et même tes papiers n'expliquent pas que je suis dans telle situation, je suis dans telle avancée de ma procédure. On va aller box ta procédure. Hein. Comme tu vois en Bengla, les gens sont jaloux. Hein. Et les gens qui sont laissés depuis 10 ans, ils n'ont pas les papiers. Hein. Il dit qu'il y a des personnes ici depuis 10 ans, ils sont, ils n'ont pas les papiers, ma petite. Les gens sont jaloux, hein. Ici, là, c'est un tour. On ne fait confiance à. Il dit qu'ici, là, ici, en tout cas, tu es sur les réseaux sociaux, tu vois, non? Tu vois tout ce que nos grandes soeurs qu'on a trouvées là, nos tontons qu'on a trouvés ici, là, vivent, non? Tu vois. Et qui? Et c'est que ce qu'il dit, ne tombe pas dans les oreilles d'un sou. Ici, en Bengla, ta maison où tu poses ta tête, c'est sacré. Il y a deux choses en bain, la maison et les papiers. Parce que la nourriture, encore, papa, si tu peux même toquer la porte d'une association, tu peux manquer le riz pour manger, qu'on ne se mente pas. Sur le plan sanitaire, tu ne peux pas mourir parce que les soins et tout. Tu peux pas te coucher à l'hôpital, tu sais que ça ne va pas, ils vont te soigner. Mais la tête où tu vas dormir, l'oreiller, ce n'est pas tout le monde qui entre là-bas. Ce n'est pas tout le monde. Parfois, il y a même les hommes que tu veux dormir avec, mais tu ne, parce que tu sais que tu ne sais pas le film qui peut te sortir. Attention. Et les choses qu'on veut te conseiller, que demande de chalan pour payer la maison. Il faut laisser ma en bain payer la maison sur le cadre. Suis tes procédures. Là où on te loge, on t'a logé. Ça ne fuit pas. Tu es mes copains, ça va aller. Ça va aller. Tu te continues à te perfectionner là-bas. Tu fais tes tutos et tout. Le jour qu'il y a un mariage quelque part, tu quittes ta petite chambre, tout on t'a donné là. Tu cours, tu pas maquiller, tu prends ton petit job comme ça, c'est tranquille. Ça va aller, ce n'est pas la course, ce n'est pas le premier arrivé en Bengla qui a fait un Bengla. Jamais. Jamais. Comme telle personne, tu as trouvé telle personne qui a une situation, tu as trouvé un gars qui a une situation, qui a une voiture et tout et tout. Il a choqué. Toi aussi, choqué. Demain, un autre Kwanen va venir, un autre gars va venir te trouver en Bengla, il va dire qu'il a sa voiture, il est tranquille et tout. Il va aussi choquer. On choque le pourcentage, ça ne fuit pas. Il faut travailler. Et tu vas travailler, les trucs de maquillage là et tout. Tu vas pas. Tu vas travailler. En Bengla, il faut travailler, tu feras des formations. Il faut travailler, il faut justifier le papier qu'on te donne. Pas parce que tu es homosexuel que oui, on va me donner les papiers, oui, on va te donner. Mais il faut travailler, il faut justifier. Il faut justifier. Il y a des personnes ici qui ont l'argent, mais pas te travailler juste parce qu'ils veulent les fiches de paie pour les appartements qu'ils veulent. Travaille. Les choses qu'on te donne, les conseils, on te dit que oh, Poka m'a dit que le billet de train était. Les billets de train sont chers, ma chérie. Tape seulement pour dire que tu passes seulement ici à côté. Tu prends un train direct. Tu crois ce qu'on appelle le train direct, non? Le train direct, peut-être, Inoué, là, il y a le train Inoué, il y a beaucoup, les TGV, là, va. Tu vas envoyer les prix, 150 euros, 200 euros, 250 euros. Heureusement qu'on a notre petit truc de Blablacar, taxi qui se déplace là, qui est venu nous sauver. Mais sauf que ça aussi, ça dérange. Soit c'est l'escroquer, soit il y a plein de trucs là. Soit tu fais, mais on t'annule la course au dernier moment. Mais comme je savais que non, tu venais du Cameroun, je n'ai pas voulu courir le risque de prendre un petit Blablacar, peut-être de 40, 50 euros, pour venir te chercher. Je voulais moi prendre le train, moi. J'ai cru bien faire. Maman, je ne savais pas que ça devait me caler au cou. Qu'est-ce qu'on devait entendre? Pour quand. J'ai moi voulu, moi, c'est m'en t'aider. Moi, il meurt toujours comme ça. Moi, il meurt toujours comme ça pour vous. C'est pour vous qu'il meurt toujours. Anne-Marie, j'ai voulu trouver le lait, aider et tout. Il y avait le tout jusqu'à là, il y a eu son boîte et tout. Aujourd'hui, c'est mon nom qui suit sur les réseaux sociaux. Quand il était fait tout aider, c'est monté. Tu vois, par Sandra Nelly, je vois, il y a les gens qui m'appellent, qui m'écrivent que oh, Sandra Nelly, que Sandra Nelly. Parce que moi, on me déçoit toujours. Je pars, je lave les mains. Moi, il fait mes folies. Vous me voyez. Il fait toutes mes folies là comme ça là. Mais maman, je sais d'où je sors. Je sais d'où je sors. Je sais ce que je veux. Vous me voyez faire mes folies et c'est comme ça et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Et quand il veut ma chose, je me soumets, je me couche au sol. J'obtiens ce que je veux. Maman, on n'est pas orgueilleux. Tu viens me trouver, tu commences à sortir ton voyage. Maman, il y a des personnes que tu vas marcher avec eux. Ils ne vont pas comprendre que tu es star. Hein. Ils vont te ridiculiser. Et si tu as quelque chose à obtenir, ma chérie, signe, serre le cœur.
tu deviens la serpillière, tu prends ce que tu veux. Ben, ce n'est pas que je suis Miliris Mota, si tu es star. Ici, tu vas voir, les gens sont stars, sont fans de toi. Là. Il y a quelques-unes qui vont te demander la photo en haut, d'autres vont même pas. D'autres vont te voir, bonsoir Miliris Mota. Ils te voient sur les. Ils n'ont pas le temps. En Ben, on n'a pas le temps. C'est pas au Cameroun là qu'on est dans le fanatisme fol. Ici, en Ben, il n'y a pas le temps. Hein. C'est pas comme. C'est Miliris Mota. Coucou. Quelques vont prendre les photos, quelques vont dire que veut ton numéro pour faire ceci. Quelques vont un peu t'embrouiller. Donc, ils n'ont pas le temps. Il faut travailler, il faut envoyer l'argent au pays. Il faut envoyer l'argent au pays. Qui va rester là que mes problèmes, mes chauves, ben, ma mère est malade et ma cousine doit aller à l'école pour venir dire qu'elle va venir avec Miliris Mota. Qui? You be you. Donc, ma chérie, laisse. Ben, ce n'est pas le pays. Ce que vous voyez, on voyait à la télé, là, c'est même pas ça. Ici, là, on ne court pas sur le ciment avec les godasses. Même si tu as les crampons, tu n'écoutes pas. Ben, porte une bengue sans coussin, ça va te casser le cou. Ma chérie, attention. Très, très attention. Bien attention, ma belle. Ça ne donne pas le lait. Sinon, on va se moquer. Les mêmes gens qui marchent chez toi vont se moquer. Et mouf, le pédé là, il est arrivé en bengue, il avait quoi et tout. Oh, tu es ton camoufle. Ils vont se moquer. Les mêmes gens qui sont avec toi aujourd'hui, ils sont là parce que tu viens d'arriver et tout. Demain, ils vont se moquer de toi. Je te dis, ils vont se moquer. J'ai marché avec les gens qui me soutiennent, l'amour. Je te dis que les gens, les amis aujourd'hui, tu marches avec des personnes qui ne t'aiment pas. Tu as beau faire du bien ici là. Est-ce que toi tu as vu qu'il te faisait le bien? Est-ce que vous voyez tout qui vous fait du bien? Vous ne voyez pas. Vous voyez, c'est mon programme. Je suis ce que je suis. Mais quand il y a un problème, vous êtes toujours là. Je dis toujours oui. Noël, tout cela, vous connaissez. Moi, je suis toujours là. Je suis toujours présent pour mes amis, pour les personnes qui sont avec. Je suis présent. Et moi, il me soumet, moi, qui vais maman chose. Je me soumets, maman. Et plus doux que l'agneau, il n'y a pas. Maman, quand tu veux ta chose, quand tu obtiens, non. Quand tu as déjà tes papiers, tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as ton petit travail là, tu as tes petits business que tu es tranquille. Maman, c'est ça qu'on appelle réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est pas avoir le milliard, c'est avoir la paix du cœur, la tranquillité, sachant que si ta mère a tel problème aujourd'hui, tu es capable de régler. C'est ça. C'est ça. Et c'est la même stabilité là que tu avais au pays. D'autres personnes qui ne te disaient pas t'enviaient, ma chérie. Ils t'enviaient. Que tu vois l'être humain, ils t'enviaient. On t'enviait bien quand tu étais au pays. Tu es arrivé en Bengala, ne leur donne pas l'occasion de se moquer de toi, ma chérie. Fais en sorte qu'ils t'envient. Qui continue à t'envier. Quand tu regardes avec cette logique, non, le gars, il est arrivé en Bengala. Ne sois pas comme les guerres qui arrivent en Bengala, la fête, la vie. Ça, tu t'égares. Ne t'éloigne pas de tes objectifs. Tu sais pourquoi tu es là. Il y a toute une famille derrière toi. Il y a beaucoup de personnes derrière toi. Beaucoup de personnes derrière toi, maman. On vient des familles hyper nombreuses, maman. Attention, on vient des familles hyper nombreuses. En tout cas, coucou, c'était un gros bisou à vous. Bon dimanche à vous, portez-vous bien. Et voilà, n'oubliez pas de partager la page et tout. Voilà, pour plus d'abonnements et taguer mon compte Snap. Vous connaissez mon compte Snap, non, pas comme officiel, en minuscule. Mon compte TikTok, pas comme officiel. Gros bisous.